Alors, monsieur Claude Bernet, dites-nous un peu pourquoi vous avez choisi ce modèle de fauteuil. Alors, j'ai choisi ce modèle parce que c'était un excellent rapport qualité-prix par rapport à un modèle équivalent concurrent. C'est-à-dire que tous les fauteuils présentent à peu près les mêmes caractéristiques et j'ai trouvé que ce fauteuil-là est présenté un bon compromis. D'accord. Et la couleur jaune, là, comment ça vous est venu, ça, ce choix? Ben en fait, comme j'aime beaucoup la vitesse et que j'aime beaucoup Ferrari et que je trouve que la gamme des Q6 est extrêmement performante et rapide, j'ai voulu avoir un jaune Ferrari plutôt qu'un bleu hôpital ou un rouge un peu trop passionné. Ah, c'est pas un jaune Tour de France? Ce n'est pas un jaune Tour de France, ce n'est pas un jaune LCL, puisque le LCL aussi c'est jaune, ah, okay. pour faire un petit coucou à mon ami Christelle. Voilà, c'est le jaune Ferrari plutôt. Passons aux choses sérieuses là. Les pneus là, ils croient quelque chose d'intéressant là. Dites-nous un peu. Oui, effectivement, j'ai demandé à mon pote Jérôme qui était de me mettre ce qu'on appelle des pneus pleins ou encore des bandages parce que justement j'ai beaucoup crevé avec le fauteuil précédent, le Q6 Ultra, et en fait ça m'a laissé de mauvais souvenirs. Et récemment justement en allant voir Christelle il y a quelques mois, et bien, je me suis retrouvé bloqué à Colombier, donc j'ai dû lui demander d'acheter une bombe crevaison. Ça m'a beaucoup embarrassé de crever et qu'elle doive acheter une bombe pour moi. Et maintenant, je préfère avoir des pneus pleins parce que c'est pour ma tranquillité d'esprit. Quels sont les inconvénients d'avoir des roues pleines comme ça? Certains diraient que c'est moins confortable. Mais moi qui roule depuis quelques jours avec ce fauteuil, j'ai pas senti de réelle différence. Vraiment pas d'ailleurs. Quel genre de soucis peux-tu compter avoir avec ce genre de fauteuil? Je sais pas, des problèmes de batterie, des problèmes de moteur, des problèmes de... Quel genre de problème on peut espérer? En fait, quand tu parles de problèmes, moi je trouve que ce sont des fauteuils hyper robustes. Je trouve que ce fauteuil a de très bonnes suspensions, même si certains diront qu'il y a des fauteuils supérieurs. Les moteurs sont extrêmement puissants et ont évolué depuis le Q6 Ultra. Il y a beaucoup plus de puissance et au niveau souplesse de conduite, c'est mieux quoi. Donc, quand tu parles de problèmes, je vois pas trop en fait de quoi tu parles. Qu'est-ce qui pourrait te retrouver que tu te trouves coincé au milieu de la campagne et... Ben avec la gamme des Q6, ça m'est rarement arrivé. Hein. Alors une chose que moi je remarque, c'est la position de tes pieds qui avant dans les fauteuils précédents, tu avais toujours des problèmes d'arriver à maintenir tes pieds bien reposés sur les plaques. Et là je trouve que ça me paraît bien stable ça, cette nouvelle situation que tu as là. À 4 ans quand j'ai pris le Q6 Ultra, c'était un modèle de démonstration, que le modèle que j'avais pris n'était pas adapté à ma morphologie parce qu'il n'avait pas été... Il n'avait pas été fait sur mesure. Ok. Tandis que là, les cale-pieds sont bien étudiés pour en fonction de ta morphologie. Exactement. D'accord. Tout comme là, tu vois que il y a un cale trop sur le côté qui m'empêche de partir trop sur la gauche. Ici, là, oui. Ici, que tu n'avais pas. Voilà que je n'avais pas. Parce que tu as une tendance à te pencher vers la gauche du... À cause de ma scoliose et de mes déformations. Parce que toi, est-ce que tu considères que tu es un gros utilisateur de... Ah oui, je roule énormément avec, puisque je vais à Colomiers. Là, on est allé à Castellet aujourd'hui, on a fait quand même 12 km, ce qui est remarquable. Donc moi, j'ai pris un fauteuil
pour bouger, quoi. Je suis pas ici pour rester chez moi, quoi. D'accord. Voilà. Il a une belle tête, il a bonne tête. Il a une belle gueule. Et la couleur jaune, ça, j'adore parce que c'est ma couleur. Alors donc, une autre grande différence sur ce nouvel appareil, c'est que tu as la fonction lift que tu n'avais le pas. Le high level. Ils appellent ça le high level. C'est la possibilité de se lever et d'être à la hauteur des gens qui marchent à côté de toi. Ça favorise les interactions sociales avec les gens, puisque en fait. Quand je me balade avec toi, je me mets à ta hauteur et je te parle comme si j'étais debout, comme toi tu es debout. C'est, j'ai apprécié. Ça... Alors mais la dernière fois tu ne l'avais pas pu l'avoir parce que à cause du coût. Est-ce que le coût a baissé qui te permet de maintenant de. Ce qui m'a fait choisir Quantum plutôt que Permobil ou Autobot, c'est que le high level, donc le lift, est compris dans le prix du fauteuil. Ah. Il faut savoir quel lift chez les autres marques, c'est une option. Ah, d'accord. Et ça coûte généralement dans les 1500 euros. Quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok, oui. S'il vous plaît, monsieur. Quoi ? C'est privé ici. Vous avez une réservation ? T'as une réservation ? Oui, au nom de Pascal. Non, pas de nom. Mais pas de nom alors. Au nom de Pascal, pas de nom. Pascal, pas de nom. Il est bizarre lui. Putain, quel beau cadre. Oui, regardez, oh, quel beau cadre. Oh, mais quel beau cadre. C'est un cadre en aluminium, non? Je ne sais pas trop. Allez. Attends, mais je suis pas prêt, le fauteuil se lève à peine. C'est là qu'on va voir le mauvais perdant dans toute sa splendeur. Pas de ma faute, c'est la balle. Pas de ma faute, c'est la raquette. J'aurais dû m'entraîner un peu avant, mais j'ai pas eu... Mais c'est très bien, arrête de te justifier. C'est pas grave. Bon, c'est alors... pas Roland-Garros non plus, hein. Ah non, mais quand même que... Attends-toi. Faut quand même que j'en touche une. Allez. Ah, voilà. Oh putain, mais... C'est dangereux, hein. C'est dangereux par ici, quoi. Oh putain. Alors là, je vais faire ramasseur de balles. C'est ça. Ah, voilà beaucoup. Oh là là, c'est magnifique. Non. Deux, c'est mort. Attends, j'essaye vraiment de viser ta tête. Hein. Putain, j'arrive à y arriver. Ah, presque. Ouais. Wouh. T'as l'air un petit peu encombré, Alain. Oh, il m'a raté ça. Oh, wouh. Il a fait un smash. Ah, il a été quoi celle-là? Ah oui! Oui, ça c'est beau ça! Oui! Joli coup! Oui, ça c'est beau ça! Quel beau smash! Oui! T'as vu à deux? Oui, ouais, super. Joli coup. Cette casquette rouge là juste devant moi me donne une envie irrépressible de taper dedans. Alors tu sais que tout à l'heure on passe à balles réelles, hein. Ah oui, d'accord. Là c'est des balles à blanc. Ça c'est des balles à blanc. Tout à l'heure on passe à balles réelles. C'est dommage.
3-8. Allez, touché. Ouais. Et c'est hors champ. Reviens vers le pilote. Oui, c'était proche là. Ouh. Ah. Ah, zéro point. Je vais vous pas. Pas trop vite. Bon, ouais. Ah mince. Il en perd ses moyens. C'est immobile, hein. Allez. Ah, c'était pas loin. Oh, c'était... C'est passé un peu. Ah là, ça va être bête. Hop là. Ah oui, il a touché. Il a fait le point.